bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre incroyable aventure épique sur Resident Evil 4, évidemment Separate Wave. Et on retrouve immédiatement Ada Wong, comme d'habitude, 4K, 60 FPS, un petit truc dans les oreilles, voilà, style écouteur ou casque pour apprécier cette ambiance. Éteignez les lumières et on n'oublie pas le j'aime, ça fait toujours plaisir, le petit commentaire. C'est le plus bel effort que vous pouvez faire pour me remercier, je pense. Alors, les amis, on avait déjà modifié ce qu'on avait à modifier. J'en ai profité pour faire un petit peu mes raccourcis à gauche, à droite, donc pas de soucis là-dessus. J'ai mis le pompe à gauche, c'est vrai qu'il est un petit peu plus petit, il est très sympa. Et j'ai mis ma petite mitraillette, voilà, juste au-dessus du pistolet. Normalement, si tout va bien, je ne devrais pas oublier. Allez, direction l'église cette fois-ci, là où Leon a fait un véritable massacre. Et hop, un petit spray. Appel de Clémence. Maître, en y repensant, c'est étrange qu'Isidro m'ait épargné. Depuis que cette créature en robe noire m'a blessé, je me sens bizarre. J'ai commencé à voir des choses, à avoir des hallucinations. Le ciel change brusquement et c'est comme si je me retrouvais plongé dans un autre monde. Et puis cette chose apparaît. Mais cette fois, il y en a des centaines. Maître, je vous en supplie, y a-t-il un moyen d'échapper à ce cauchemar? Donc, Isidro, vous comprendrez que c'est évidemment le serviteur qu'on a affronté tout à l'heure. D'ailleurs, il nous a touché, on a eu des petites hallucinations. Qu'est-ce qu'on a là? Un classique. Le chef de la secte. Ok, oubliez pas qu'on doit aller dans la maison de Mendes. Hein. Je peux vous dire que c'est quelque chose là-bas. Hein. Vous savez, c'est le grand avec une gigantesque barbe. Ok, on prend. Oh oui, on prend même très très fort. Ça, on prend. Ok, ça, on ouvre. Très bon. Je vais pas tarder à devoir faire un peu de ménage, je pense, dans mon sublime coffre. D'ailleurs, est-ce que je peux pas le faire vite fait maintenant? Grâce à une touche, bah voilà le tri automatique qui régale. C'est dommage d'ailleurs. C'est toujours plus plaisant de le faire soi-même en vrai. Je prendrai peut-être le temps plus tard. Juste pour le plaisir de me dire que je l'ai fait. Waouh! Ok. Ok, ok. Oh! Petit salto arrière. On aurait pu. On aurait pu faire mieux, mais. Ok. J'ai pas peur. Pareil, très bien. Ok. Oh, waouh. Allez, va plus vite, bibiche. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh, il est chiant. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Waouh, ça, c'est très fort. Allez, toi, je sens que tu veux le faire péton. Hop! Très bien. Ok. Ça, c'est beau. Ok. Ok, ça c'est beau. Bon allez, frère. Oh, il recommence. Oh, le têtu. Oh.
Oh, ils peuvent faire mal, les alus. Oh. Oh waouh. Trop bien. Bon. Oh, c'est pas possible. Beaucoup trop fort. T'as emmené ton oncle à l'école, frère. Dis-moi ça. Ok. Oh non. Oh là là. Heureusement qu'il est blow mid-skin. C'est pas possible. Trop fort! Le brouillard, il s'est saisi. Non, mais les gars. Oh. Oh là là. Les amis, il est beaucoup trop fort, il me fait trembler. Oh, c'est terrible de commencer une vidéo comme ça. Allez. Passage, me trompe. Personne n'aime ça, mais là... En toi arrière. Oh là là, beaucoup trop chaud, lui. Oh, il part sur une musique de Koh-Lanta en plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là. Ok. Maintenant, la maison de Mendes. Oh, c'est catastrophique. Hein. Oh, cette odeur de chair brûlée. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ouais, les amis. Vas-y, t'as pont 9 là. Tu veux pas? Pont la putain de t'es mort. Ok. Bon, on va tout fouiller. MDR, on va pas tout fouiller. Oh waouh, attendez. J'ai vu un truc là, non? Non. Il y a des trésors un petit peu partout. Dont ici d'ailleurs, mais où? C'est une très très belle question ça. Ah oui. El Clasico, évidemment. El Clasico del Madrid. Superbe. Bon, allez, ça c'est fait. J'avais loupé des trésors derrière. Mon objectif c'est là, donc en vrai c'est ok. Ok, on est parti. Alors qu'est-ce qu'on a en trésor hein? Tiens, qui voilà-je? Ok. Petite grenade flash, c'était ça le trésor? C'était même pas ça. Ça, c'était juste pour me dire qu'il y avait des petits trucs très sympathiques. Ok. Ça, oh. Oh, on va recharger très vite, très fort. Ok. On va recharger très vite, très fort. Il faut que j'améliore ma TMP parce qu'elle est vraiment terrible. Super saphir. C'est mieux que rien. Cascade. Je rappelle qu'on pouvait pas y aller hein, quand il y avait le brouillard, le mec.
C'était très 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 compliqué, étant donné que il y avait une sorte de fumée, une sorte de feu violet, qui toutes les entrées et sorties étaient bouchées, voilà, tout simplement. Ouais, je me justifie pour les gens qui auraient pu dire, ouais, mais pourquoi tu as pas été? On ne pouvait pas, voilà, tout simplement. Fous-moi la paix, je maîtrise. Ok. Ok, 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 ok. Évidemment... Rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Ok. Waouh. Waouh. Du parfum chic. Ok. Par contre, il était chaud le boss en vrai. En vrai de vrai, il était très très chaud le boss. On est bon. On est bon. Je suppose qu'il y a des choses là-bas. Ça serait pas mal. Une sorte de petite easter egg ou des tonneaux. Une petite caisse, c'est mieux que rien. Voilà, c'est 400 pesetas, on prend les frères. Et... Ok. Et de mémoire, il y avait un accès là-bas qu'il n'y a plus. Superbe. Oh waouh, d'accord. Vraiment, il n'y avait vraiment plus aucun accès. Hein. Ok. Il y avait un accès pour aller derrière, il n'y a plus. Mais qui aurait pu mettre des rondins de bois pour nous empêcher d'aller? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Forcément, on a des petits trucs à casser, je pense. Ok, que dalle. Par des petits pesetas. Mais on aime les pesetas quand même. Oh. Ça de mémoire. Oh, dommage. Dommage. La charrette, ça de mémoire. Oh, dommage. Bon, ok. Écoutez, on a fait le tour du village. La maison est par là, mais on peut aller derrière. Et ça, je peux vous le dire que ça n'a pas de prix. Lui, il a toujours pas pondu, c'est terrible. Mais vous savez ce qu'on dit. Oh, waouh. Raccourci. Mes couilles. Ça a l'air d'être mes couilles. Ça a l'air d'être mes couilles, très bien. Ok. Là, il y avait le fameux fusil à pompe que Leon a pris. Ok. Ah. Dans cette temporalité, il a pas bougé les meubles. Il a pas bougé les meubles. Oh, 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 oh. Sans façon. Dommage. Ça m'avait l'air bien délicieux. Ah, d'accord. C'est carrément rebouché, là, wesh. Ok. C'est pas fini. Ça arrêtera jamais. C'est pas fini. Quelque chose par ici. Très bien, je prends. Et c'est tout. Comment on fait pour accéder là-bas? Comment on fait pour accéder là-bas, mes frères? Je viens de là, mais j'y suis pas encore allé. What the fuck? Là, il y a une herbe verte. Incroyable. Mais alors, j'irai à quel moment? Je me souviens que Ada, elle a dit, ouais, c'est pas le bon chemin. C'est très bizarre. Très, très, très bizarre. Et qu'est-ce que c'est là? Vraiment, j'y retourne parce que... J'ai loupé un truc de fou. Ok. Non. Et là, on a quoi? On a que dalle. J'essaye de check, hein. On sait jamais, ça serait dommage de passer à côté d'un truc cool. Bah mince alors. Bah mince alors, c'était la maison d'à côté. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh, crotte. Commence à me saouler, ça. Ok. Ça commence à me saouler. Par ici. Et ensuite... Par là. Superbe. Ensuite, par là. Et là, il y a beaucoup de choses. Dont une petite clé que je n'ai pas. Oh, dont un ragoût qui pue.
Oh non, j'ai pas la clé. J'aurais pourtant pu l'échanger contre des Spinal. Tout ceci est fort contraignant. Salut les poules. Ça fait quoi par ici? Salut poulette. Ok, bon on a tout fouillé les amis, on peut vraiment pas faire mieux pour le coup. On peut vraiment pas faire mieux. Et les poules donnent pas autant que ça. Alors... One d'œuf. Ah mais les œufs les gars. Les œufs je vous le dis c'est quelque chose. Ça régale. Oh merci, merci, merci. Ok. Y a pas une autre poule qui a lâché un bordel? Non. Si. Merci. Allez, on y va les amis. Direction la maison de Mendez. Ça risque d'être assez terrible. Et ça me fait peur. Ok. Ok, un classique, c'est chauve-souris. On va passer par là. Oh, waouh. Ça va. En fait, je pense vraiment que ces boss-là ont été conçus pour nous faire perdre nos munitions. Et après, on se refait si pour récompenser la... le côté recherche. Ok, on y va. Oh putain, c'est vrai. On avait sauvé Lyon. Ton sang a accepté le temps. Ok, chapitre terminé. Alors niveau discrétion, c'est pas ça qui est ça, si je puis me permettre. Mais bon, on a essayé, voilà, on a fait des choses, c'est vrai qu'on a tenté à divers moments, quoi. On s'est fait des petits plaisirs et ça, faut savoir les apprécier. C'est parti, chapitre suivant. Continue à les distraire, Léon. Ok, normalement, les gars, Léon, il a quand même vidé la maison. J'ai bien un souvenir qu'en partant, j'avais convenablement vidé cette baraque. À moins que Mendez revienne, ce serait très embêtant. Retrouver la trace de Louis. Ok. J'espère okay, qu'il y a okay. Quelque chose sur Louis. Non, c'est pas vrai. Des petites clés partout, mais je n'en ai pas une. Là, il y avait un accès. C'est terrible. Attendez. Attendez. Qu'est-ce donc que cette supercherie? Je croyais qu'il y avait quelque chose en l'air, mais pas du tout. Grenade des familles, j'aime bien. Ah, leur livre sacré a pas l'air mal. On l'avait lu avec Lyon, ça c'est cool, pas besoin de le relire. Ok, une petite poudre. Est-ce que c'est peut-être pas le moment, les amis, de se fabriquer, de se faire un petit plaisir, en prenant par exemple 6 cartouches de pompe. Moi, je pense bien que si. Est-ce que c'est pas le moment d'ailleurs, les amis, de se faire... Oh.
ça se passe. Moi, je pense bien que si. Et est-ce que c'est pas le moment, si jamais... Non, c'est pas des munitions. J'en ai eu assez. Assez de ces conneries. C'est quoi ce bruit? Un bruit très étrange. Ok. Ça, hop, ça c'est direct dans le gosier. Un bruit très étrange, ça sent pas bon ça. Là, je m'y connais en odeur fétide. Oh, waouh. Il pourrait nettoyer. Oh, waouh. Oh, j'aime bien. Ok. Est-ce que ça serait pas le moment de se refaire de la plante à gogo? Moi, je pense bien que si. Yo, les gars. Il y a un trésor en face. J'ai peur. J'ai entendu un mec marcher, mais de type très violent. Oh, je me suis chié dessus, putain de merde. Une clé cachée. Ok. Parfait. Horloge luxueuse. Je me suis chié dessus. Elle sert à quoi, ça? Une petite clé usée. Ouais, je suppose que ça permet pas d'ouvrir en haut. On est bien d'accord. Oh! Merci, mon Vol, frère. Ma jolie. Bon, allez. On sait jamais. Ici, on est éco-responsable. On va faire un petit aller-retour. Ça mange pas de pain. Ça marche totalement. Les amis. Ça marche totalement. Salle d'interrogatoire. Mes frères et sœurs, notre seigneur est contrarié. Vous ne devez pas tuer les intrus sans raison. Tout individu a droit à un jugement équitable. Désormais, nous procéderons à des interrogatoires de manière solennelle et impartiale. Emmenez vos prisonniers au sous-sol de l'usine. Faites-en de même avec les traites. Vraiment, j'ai pris ça pour ça, les gars, là. Oh, je suis... Je parais qu'il en est là. Vous m'avez un peu fatigué, les gars, hein. Vous m'avez un petit peu fané. Oh non. Je me suis chié dessus, putain. Oh non, un remix d'un Némésis. Inutile de fuir. Oh non. Oh non. Et... Oh waouh. Oh. Et... Oh. Il est beaucoup trop fort. Crois-moi que je fuis, hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Ça suffit. Toujours là, hein. Ah. Ah. Ah! Il m'a éclaté la gueule! Oh là là! Les frères! Oh là 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 là, c'est trop. Quoi? Non. Je crois que je les ai enfin semés. Il y avait un monde où je me les faisais. Mais j'étais beaucoup trop chaud pour ça et. J'avais pas envie de les faire flipper, les mecs, tu vois. J'avais pas envie qu'ils se disent « Waouh, elle est beaucoup trop forte, celle-là. » Donc, j'ai préféré faire le héros et me dire que... leur laisser une deuxième chance, finalement. Je me suis chié dessus. Je me suis littéralement chié dessus tout le long. Ok. Là, on a un petit secret. Et j'aime les secrets. Ok, on n'a pas de secret. Ok, on a quand même un petit secret, ok. Bon, je voulais retourner au village à la base. C'est fort embêtant. Par contre, j'avoue que caca culotte un petit peu, hein. C'est quelque chose, hein, les amis. Hein. Ok, oh, je prends un peu de poudre. C'est comme quand j'ai pris la poudre d'escampette. Ouh, oh, toi prends. Tu dégages l'odeur du combat, tu sais. Alors, ferme-la donc. Déjà, attendez. Déjà, ça c'est très intéressant. Ce qu'on est en train de vivre là.
Certi. Quand c'est un duo comme ça, quel est le mieux à faire? Ok, bah ça bouge pas en fait, il faut les mêmes couleurs. Duo, c'est deux pierres précieuses de la même couleur, très bien. Et ça, deux de la même couleur aussi, donc il me faudrait du bleu, du rouge. En gros, il me faut un rouge, ok. Écoutez, j'ai ma petite idée. Ça, ça va aller là. Et le reste attendra. Et ça, je pense que je peux me faire un kiff. Ok. Pas mal. On est au max du bonus. On est au max du max. On va vendre, évidemment. Le flacon, ça dégage. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Ils ne sont plus utiles que d'être vendus. Prix, par contre, la clé, je peux déjà la vendre. Oh non! Ou alors c'était un truc de quête, ça servait pas au-dessus, je m'étais égaré peut-être. Je ne sais pas. Très bien. Ça dégage. Étrangère. Oh, oh, je ça suis dégage, prêt ça dégage. Qu'est-ce que je peux acheter? Un viseur laser? En quoi puis-je t'être utile? Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Oh là là. Ok. Ah, je peux comparer les armes, ok, let's go. Ok, en termes de puissance. En termes de puissance. Le Punisher est très très chaud. Mais en termes de rechargement et en termes de cadence de tir, l'autre est mieux. Mais le Punisher, en termes de dégâts, alors, en termes de puissance et en termes de capacité, c'est quelque chose. Donc vous savez quoi, je vais l'acheter. Fais-nous signe quand t'auras fait de la place. Ah. Ça les mecs, ça commence à me casser les couilles. Ah mais c'est bon, en fait c'est totalement bon. Ok. Tiens, étrangère. Ok. J'ai cru qu'il allait me donner quelque chose, pas du tout. Tiens, étrangère. On va vendre quoi, les amis? On va vendre mon pistolet. J'achète tout et n'importe quoi. Très bien. Une affaire bien concrète. Et on va modifier... Bon, le couteau, ça peut être quelque chose. Et on va le réparer. Être méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. Et voilà, comme tu l'as demandé. Ça t'épate, hein? Okay. Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Je vais bien te croire, Bibi, je vais bien te croire. Et c'est ça pour voir. Ok. J'ai tout un tas de choses très intéressantes. Écoutez, ça me paraît pas mal. Ça me J'espère paraît pas mal, la famille. Voir bientôt, étrange. Ok. Bon, il y a un truc qui me déplaît un tout petit peu. On va le modifier de suite. C'est déjà ça et ça. Mettre en raccourci. Et ça va aller ici. J'aime pas quand on change mes habitudes. Ok. Ok. Ensuite, c'est pas tout. Donc le Jackie. Ça, c'est déjà collé. Mais ça... Ça va aller sur le Punisher. Ok. Ensuite, c'est pas tout. Ça, on va le caler ici au calme. Yes. Ok, ça fait Resident Evil de base. J'aime bien, j'aime bien. Les amis, il est temps de s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer, le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure avec l'épisode 4. Bisous tout le monde. Bye bye.